Bonjour à tous, c'est French Guy et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Étant donné le manque un petit peu de parodie en ce moment, j'ai décidé de m'essayer à un nouveau type de vidéo, les tags. Donc ça fait vraiment fureur en ce moment. Aux États-Unis, c'est un genre de vidéo où c'est qu'on se fait un peu des petits défis, des questions, ce genre de choses. Donc j'ai dit pourquoi pas après avoir essayé le podcast. J'ai bien envie de m'essayer à mon premier tag, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce premier tag, on se retrouve pour le... J'ai oublié le nom. On se retrouve pour le zombie apocalypse tag. Donc c'est un tag qui met en scène une création d'armée contre les zombies avec des personnages de romans. Puisque moi je suis une personne qui aime assez lire, donc je pense que ça peut vraiment être fun. Donc on va créer cette armée et j'ai choisi 5 bouquins. Et dans chaque bouquin, il y a 2 personnages à choisir qui constituera cette armée. C'est difficile à expliquer. Par contre, je ne vais pas choisir les personnages parce que ce serait beaucoup trop facile. Donc en fait, j'ai préparé un petit tirage au sort que j'ai mis dans ma pochette de caméra parce que je fais ça comme un cochon et que je n'ai rien d'autre. Sur chaque papier, il y a le nom du bouquin que j'ai choisi. On peut commencer pour ce tag. Donc j'ai choisi 5 histoires assez connues quand même pour que vous puissiez quand même assez vous y retrouver. Donc j'ai choisi Harry Potter, 50 nuances. Alors je me suis dit pourquoi pas une armée contre les zombies avec les personnages de 50 nuances, ça pourrait vraiment être marrant. Donc par contre j'ai le 2, le 1 il est chez moi dans la ville où je fais mes études, donc malheureusement je vais devoir faire avec le 2. Hunger Games. Bien sûr, Hunger Games, je ne pouvais pas ne pas choisir Hunger Games. Donc, par contre, pareil, c'est le 3. Hein, désolé, le 1 se trouve dans ma petite bibliothèque perso, là où j'étudie. J'ai choisi Twilight aussi, parce que, pareil, pour 50 nuances, il y a des personnages là-dedans, dans cette histoire qui ferait bien l'affaire dans une invasion zombie, ce serait vraiment drôle. Et enfin, j'ai choisi Divergent, parce que tout simplement... il y a des personnages vraiment assez forts et je pense vraiment que si vraiment il devait y avoir une armée de zombies, certains de ces personnages pourraient s'en sortir, donc je ne pouvais pas ne pas prendre Divergent. Donc voilà, nous pouvons commencer. Alors bien sûr, je ne choisis pas par quelle histoire je commence, je tire au sort. Nous commençons avec Divergent. La première constitution, c'est la première personne à mourir. Donc bien sûr, je ne vais pas choisir le personnage, ce serait beaucoup trop facile. Je dois piocher dans le livre au hasard. Et le premier nom que je trouve, ce sera donc la première personne à mourir. Alors... Uria. Donc désolé Uria, hein, t'es un bon personnage que j'ai bien aimé dans l'histoire. Malheureusement, tu es la première personne à mourir, je vais dire, enfin... Enfin bon, je préfère que ce soit Uria qu'un autre personnage qui a beaucoup plus d'importance. Alors la deuxième constitution, c'est celui que je sacrifie pour sauver ma vie, un zombie. Donc c'est-à-dire, si je me fais courser par un zombie, la personne de Divergent que je sacrifie pour pouvoir sauver mes fesses. Alors, je pioche au hasard. Christina. Désolé, désolé Christina, mais... Mais voilà, si je dois vraiment sauver ma vie dans cette invasion, je te sacrifie parce que je tiens à mes fesses, quoi. Et puis Christina, de toute façon, n'est pas un personnage que j'aime particulièrement dans la série Divergent. Donc voilà, on a fini pour la première histoire. Maintenant, je pioche la deuxième. Harry Potter. Ouais. Alors moi, ceux qui me connaissent... doivent savoir évidemment que je suis un grand Harry Potter maniaque, j'adore Harry Potter, donc ça a été une grande partie de ma vie, donc voyons voir ce que ça donne. Alors la troisième constitution, c'est celui qui se transforme en zombie en premier. Alors là j'ai peur pour mes amours de personnages. Quelle est la personne qui se transforme en premier en zombie? Ron. Ron, voilà. Premier module de la page, premier prénom, c'est Ron. Alors, pauvre Ron qui se transforme en zombie. Pas de chance, je suis désolé.
la quatrième constitution de cette armée contre l'invasion, c'est « Celui qui me sacrifie pour sauver ses fesses à lui ». Alors attention, je me demande vraiment qui c'est qui va donc me sacrifier. Eh ben c'est Harry. Bah alors là, je suis déçu, Harry. Je suis vraiment déçu. Franchement, moi qui t'ai idolâtré pendant toutes ces années, c'est tu te sacrifies pour te sauver la vie. C'est en général pas ce que tu fais, donc je suis déçu. Voilà, c'est tout pour cette histoire. On va de suite piocher la troisième. Et c'est Twilight. Alors la cinquième constitution, c'est l'imbécile de l'équipe. Voyons voir qui est l'imbécile de l'équipe. Je vais prendre vers la fin. Mike. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire, Mike est déjà l'imbécile de service dans la saga, donc il reprend bien son rôle ici dans cette armée contre l'invasion des zombies. Donc Mike, je suis assez satisfait, l'imbécile de l'équipe. Alors la sixième constitution, c'est le cerveau de l'équipe. Alors là j'ai peur par contre, là j'ai peur. Alors la cerveau de l'équipe, c'est quand même celui à qui on confie... celui qui est censé quand même un peu nous tirer de là, donc le cerveau de l'équipe. Je tourne la page, j'ai pas de nom. Edouard. Bon. Cliché, hein? Le héros qui reste le héros. Enfin, en même temps, 90% de ce livre, c'est à propos d'Edouard Cullen. Donc, Edouard, le cerveau de l'équipe, bon, d'à côté, tant mieux, parce que, bon, il est plutôt intelligent, il a de l'expérience, donc, bon, s'il peut nous sauver la vie, c'est pas plus mal. Donc, Edouard. On passe tout de suite au quatrième bouquin et avant-dernier. Et c'est Hunger Games. Donc, ceux qui me connaissent devraient savoir aussi que Hunger Games, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc la septième constitution, c'est le médecin de l'équipe. Donc vraiment, il y a quand même des médecins dans Hunger Games, je pense que vous voyez de qui je parle. Donc si vraiment je peux tomber sur un bon médecin de l'histoire, je serais content de l'avoir dans mon équipe. Donc voyons voir de suite sur qui je tombe en médecin. Imitch. Ah non. Bon bah Imitch, ce sera le médecin de l'équipe dans mon équipe. Je disais, Emich sera le médecin de mon équipe. Je suis pas vraiment satisfait avec cette réponse parce que bon, j'aurais plutôt vu aussi dans l'imbécile de service, Emich. Je dis pas qu'Emich est stupide, mais bon, il a son côté humour qu'on aime tous à peu près bien. Mais c'est vrai que le médecin de l'équipe, j'aurais préféré tomber sur Prim ou sur la mère de Katniss. Alors la huitième constitution, c'est l'expert en armes de l'équipe. Donc pareil, dans cette histoire, je pense qu'il peut y avoir de grands et de très bons experts en armes. Je pense à Gale en particulier, donc c'est sûr que... Si je tombe sur lui, ça pourrait peut-être nous sauver la mise. Alors je vais voir sur qui je tombe. Bugs. Ah. Bugs. Bah c'est aussi un très bon choix parce que Bugs, il est fort, c'est le capitaine de l'escouade. Enfin je crois, si je me souviens bien. Donc c'est pas Gale, mais après c'est peut-être même mieux Gale, donc je nous pense en sécurité avec Bugs, c'est cool. Et voilà, on va passer à la dernière histoire, donc pas besoin de piocher. De toute façon, puisqu'il ne reste plus qu'une histoire. C'est 50 nuances. Ok. Alors la 9e constitution, c'est le pire bagarreur de l'équipe. Donc vraiment, dans cette histoire, il n'y a pas non plus grand des personnages spécialement forts ou bagarreurs. Donc c'est sûr que si je tombe sur certains personnages, comme ben, Anna, tout simplement, ça peut vraiment être drôle d'imaginer Anna en meilleure bagarreuse. Mais on va voir ça tout de suite. Forcément, hein. Comme dans Twilight, de toute façon, 90% des bouquins sont à propos de Christian aussi, j'ai envie de dire, donc c'était un peu logique que je tombe sur Christian, mais bon, cela dit, dans le livre, il est décrit avec des gros muscles, alors pourquoi pas, après tout, s'il peut nous sauver un peu, c'est bien. Et enfin, la dernière constitution, la dernière personne à constituer cette équipe de 10 beaux soldats, c'est le capitaine global de l'équipe. Donc là, franchement, j'ai peur parce que j'ai pas envie d'accorder ma confiance et ma vie à certains personnages de 50 nuances. Donc on va voir ça tout de suite.
Sawyer. Alors là, comme ça, j'avoue que Sawyer, ça me dit pas vraiment grand-chose. J'ai lu les livres... J'ai déjà lu les livres, mais Sawyer, ça doit être... Ça doit être un bras droit de Christian Grey, donc je saurais pas vous dire si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà, ce tag est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vraiment cette vidéo vous a bien amusé et que vous aimeriez en revoir davantage, que ce soit ce tag-là ou un autre complètement différent, vous pouvez laisser un commentaire et me dire quel tag vous aimeriez que je fasse tout simplement avec moi ou certaines personnes de l'équipe de parodie. Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, une prochaine parodie au plus vite j'espère, avec la parodie justement de 50 nuances de Grey qui est toujours d'actualité mais qui peine un peu à se monter. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne manquer aucune vidéo. Rejoignez-moi.